Des aveux pour l'exécutif, l'acte 18 des Gilets jaunes a donné l'occasion à des centaines de casseurs de saccager la capitale. Après des semaines de répression musclée contre les manifestants pacifiques, le gouvernement n'a pas réagi face à l'extrême gauche. Pendant les scènes de chaos sur les Champs-Élysées, Emmanuel Macron était au ski. Les républicains face à un dilemme, alors que le mouvement ne bouderait pas une partie de l'électorat gilet jaune, il est bien difficile de conjuguer leur fonctionnement chronique d'une séduction vouée à l'échec. La mort des socialistes en passe d'être consommée, Raphaël Glucksmann est officiellement la tête de liste pour les élections européennes. Une manœuvre qui lui permettra de mêler aux socialistes les membres de sa formation politique Place Publique, une solution de dernier recours pour le PS qui pourrait bien avoir signé sa mort politique. Madame, Monsieur, bonsoir. Samedi noir pour l'acte 18. Quatre mois après la première manifestation, les Gilets jaunes voulaient marquer le coup face au gouvernement. C'était sans compter la détermination du Black Bloc et autres casseurs d'extrême gauche venus en masse à Paris. L'exécutif, lui, n'était visiblement plus aux commandes. Des dysfonctionnements. Voilà l'aveu du gouvernement après les scènes de chaos sur les Champs-Élysées samedi, en marge des manifestations des Gilets jaunes. Il faut dire que la plus belle avenue du monde n'a plus que sa renommée pour briller. Magasins éventrés, vitrines fracassées, restaurants saccagés. Les Black Blocs étaient venus en masse à Paris pour détruire tout ce qui symbolise le capitalisme et le reste aussi. Avec quelques 1500 individus ultra-violents venus pour casser et en découdre, la situation a très vite tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre, dont les consignes étaient visiblement moins virulentes qu'avec les manifestants. 250 personnes ont été placées en garde à vue dans la journée, un chiffre important mais beaucoup plus faible que les 1er et 8 décembre, où respectivement le double et le quadruple d'interpellations avaient été recensées. Il y avait également moins de policiers déployés pour la gestion des Champs-Élysées eux-mêmes. En revanche, un millier d'agents des forces de l'ordre auraient été déployés aux abords de l'Élysée. Il faut dire que le président était une large partie de la journée aux abonnés absents. Une semaine après les frasques de Christophe Castaner en boîte de nuit, le président de la République avait de son côté choisi d'aller faire un tour à la neige le jour de mobilisation des Gilets jaunes. Un paradoxe qui n'a pas manqué de faire réagir les réseaux sociaux. Des montages ont fleuri sur la toile avec Emmanuel Macron dans un télésiège volant au-dessus des Champs-Élysées pendant l'incendie du Fouquets, la célèbre brasserie parisienne. À croire que le destin de Paris avait été scellé plus tôt et que les Champs-Élysées étaient destinés à brûler. Il faut dire que pour populariser la loi prétendument anti-casseurs, le gouvernement ne pouvait rêver meilleure démonstration. Force était d'ailleurs de constater que les Gilets jaunes ont rapidement changé de plan quand les casseurs sont arrivés en masse. En effet, la majorité a rejoint d'autres cortèges de manifestants dans la capitale pour fuir le chaos des Champs-Élysées. Seuls quelques-uns étaient aussi dans la volonté de casser pour se faire entendre. Il faut dire qu'après quatre mois de mobilisation, le bilan a tiré du côté des avancées et bien léger. Emmanuel Macron a mené son grand débat, tel des prémices de campagne gratuite, sans pour autant apporter de réponse à la souffrance sociale à l'origine des Gilets jaunes. De quoi décourager certains, mais aussi pousser d'autres à passer à la vitesse supérieure. Quoi qu'il en soit, l'extrême gauche était clairement aux manettes et même Christophe Castaner n'a pas osé parler de groupes d'ultra-droite, fantasmés depuis le départ par le gouvernement. Les tags étaient facilement reconnaissables, tout allaient dans le sens de slogans anticapitalistes et anarchiques, le tout avec le célèbre à entourer. On lisait également au détour d'une rue, Feu aux frontières, de quoi corser le rapprochement avec les prétendus factieux proches de Marine Le Pen dans la soirée, il ne restait plus beaucoup de magasins épargnés par la violence de ces groupes de casseurs, si plusieurs kiosques à journaux ont été incendiés à l'instar du Fouquet's, c'est le feu dans une agence bancaire qui a failli causer le plus de victimes. En effet, la banque était en dessous d'un immeuble d'habitation et une mère et son bébé ont été sauvés in extremis des flammes, une situation particulièrement violente. Dans le feu de l'action, des gilets jaunes ont aussi cherché à intervenir pour faire cesser les pillages et les saccages en vain pour beaucoup ces méthodes sont contre-productives et les conséquences retomberont toujours sur les mêmes. C'est pas les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils sont conscients. Depuis telle heure j'étais là, il y a deux, trois boutiques, ils sont rentrés, même pas, ils ont pris un truc. C'est des casseurs. Est... Ils, se, ils se mettent au milieu de la foule, ils n'ont qu'un but précis, oui. c'est de piller. et de, il et de, de Ils, ils ne sont, sont même pas en adéquation avec le, ce que fait le pays, les manifestants. Eux, leur but, c'est ils s'en foutent complètement de ça. Eux, leur but, c'est de se remplir l'estomac et de faire occasionnellement, c'est des opportunistes. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu en faisant ça, il y a des centaines de petits le travailleurs, des officiers, des serveurs, des, petits, des petites personnes qui ont que le SMIC et, là, et le, 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 leur salaire ils sont suspendus et ils n'ont plus de revenus. J'espère qu'ils sont fiers d'eux et c'est pour mais ça ça ne sert à rien du tout. c'est croient attaquer les patrons, les patrons ils sont assurés, ils sont tranquilles chez eux. Dans la soirée, le gouvernement a été contraint de reconnaître l'ampleur des dégâts et de son incompétence. Une réunion était organisée dimanche en fin d'après-midi pour dresser le bilan de la journée de samedi, et il a fallu admettre de nombreux dysfonctionnements. Il faut dire que l'impréparation laisse Pantois. Alors que le mouvement des Gilets jaunes avait annoncé vouloir fêter le quatrième mois d'anniversaire en grande pompe, alors que les Black Blocs devaient être identifiés et surveillés, et bien malgré ça, le gouvernement s'est retrouvé devant le fait accompli pendant qu'Emmanuel Macron faisait un peu de ski. Une situation surréaliste qui prêterait à sourire si elle n'était pas affligeante. En effet, l'exécutif semble cocher toutes les cases pour que ces manifestations hebdomadaires sombrent de plus en plus dans la violence. La surdité du gouvernement face aux revendications sociales, conjuguée à un véritable mépris de l'exécutif, crispe de plus en plus les gilets jaunes. Ceux qui peuvent encore s'offrir les trajets dans la capitale sont donc nettement plus véhéments. Dans le même temps, la préparation en amont des rassemblements avec les renseignements policiers semble au point mort, laissant la voie libre à l'extrême gauche pour transformer la ville en zone de chaos. Une situation hors de contrôle qui n'a contaminé que la capitale, en effet, l'atmosphère de guérilla parisienne contrastait avec des rassemblements particulièrement calme dans les rues des grandes villes de France, y compris là où des affrontements avaient parfois éclaté lors de précédents actes. Pour sortir de l'ornière, le gouvernement a affirmé que de nouvelles mesures fortes allaient être mises en place. Christophe Castaner, Laurent Nunez et Bruno Le Maire seront encore auditionnés par le Sénat mardi pour dresser un bilan sécuritaire et économique de ce samedi. Un air de déjà-vu qui ne laisse pas présager d'amélioration dans la gestion des véritables manifestants violents. À croire qu'ils sont la meilleure solution pour dresser et c'est l'opinion contre les Gilets jaunes. Et après ces violences dans la capitale, c'est le préfet Michel Delpêche qui a été limogé dans la journée de ce lundi. Et en face de cette situation de plus en plus explosive avec la participation active des Black Blocs, les Républicains naviguent toujours entre deux eaux avec les Gilets jaunes. Un temps perçu comme un électorat à conquérir et ils sont devenus difficiles à conjuguer avec les grandes orientations du parti. Décryptage. C'est un grand écart de plus en plus impossible. Depuis le début du mouvement social, Laurent Vauquier aurait bien aimé séduire. Vêtu de son petit gilet jaune au puits en -Velay, le patron des Républicains était sur la brèche le 17 novembre dernier pour ouvrir grand les bras à la fronde anti-Macron. Une opération séduction difficile qui n'aura finalement qu'assez peu porté ses fruits. En réalité, si l'on observe les sondages récemment publiés, les mécanismes de vase communicant entre une hypothétique liste des gilets jaunes et le mouvement emmené par François-Xavier Bellamy, sont presque inexistants. Et pour cause. Considérés comme un électorat relativement aisé, les partisans des républicains ne sont pas directement touchés par les revendications des Gilets jaunes, du moins pas assez, pour aller manifester. A plus forte raison que battre le pavé, c'est un peu un mode de vie, et ce n'est pas celui de la droite. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'ampleur des manifs pour tous avait tant surpris. Les retraités, touchés de plein fouet par le gouvernement Macron, sont également soucieux de l'ordre dans le pays, et l'atmosphère de guérilla qui émane des manifestations hebdomadaires met un point d'arrêt à leur potentiel soutien du mouvement. Si la volonté de mettre un coup de frein aux impôts prônés par la droite peut correspondre aux revendications, la réduction de la dépense publique pose quant à elle un problème dans les rangs où l'on réclame aussi plus de services publics. Les dommages économiques causés par les manifestations et encore plus par les dégradations occasionnées par les Black Blocs terminent de rompre le lien entre les Républicains et les Gilets jaunes. Seule position politique tenable, la critique du gouvernement dans sa gestion de la crise. C'est d'ailleurs dans cette direction qu'allaient les propos d'Eric Ciotti, qui accusait sans détour le gouvernement de laisser des dégénérer volontairement la situation afin de dédouaner en partie le mouvement social, d'ailleurs dans la capitale. Jeanne Dautzer, le maire républicain du 8e arrondissement de Paris où se situent les Champs-Elysées, a pour sa part déploré les saccages et pillages de son quartier, une condamnation que beaucoup ont accompagnée d'une demande de retour à l'état d'urgence pour enfin endiguer la crise. De nombreux cadres du parti ont également dénoncé l'impuissance de l'exécutif face aux violences, une position facile à tenir pour l'opposition au vu de la situation explosive du pays qui dure désormais depuis 4 Mois. Une voix plus raide est toutefois à relever du côté de Frédéric Pechnard, ancien policier et candidat les républicains pour les élections européennes. Il a estimé pour sa part que tous les gilets jaunes sur les Champs-Élysées samedi dernier étaient des délinquants. Une position qui pourrait bien marquer le deuil des LR vis-à-vis -vis de l'électorat de ces gilets jaunes. La stratégie pourrait toutefois bien payer car pour l'heure c'est Emmanuel Macron qui bénéficie de l'électorat usé par les manifestations. Un récent sondage notait d'ailleurs que le président avait récupéré 28% des Français qui s'étaient prononcés en faveur. De François Fillon en 2017. Le parti de Laurent Vauquier pourrait donc bien se positionner en réaction, Gilets jaunes, en acceptant de faire le deuil de ces derniers électeurs populaires mobilisés. Une ligne qui purgerait directement les soutiens de la République En Marche, contraint d'observer l'incapacité du gouvernement à insuffler un retour au calme. Raphaël Glucksmann, dans la place samedi, le Parti Socialiste a pris acte de sa déconfiture pour se rallier et choisir une tête de liste en dehors du parti. C'est donc l'essayiste Raphaël Glucksmann, cofondateur du parti Place Publique, qui endossera le rôle, une stratégie qui pourrait bien sonner le trépas du PS. Nouvelle figure pour Vieux Parti. Samedi, lors du Conseil national du Parti socialiste, Raphaël Glucksmann a été désigné tête de liste pour mener le PS dans la campagne pour les élections européennes. Alors que le Parti à la Rose ne parvenait pas à tisser d'union avec ses partenaires naturels, comme Benoît Hamon de Génération ou Les Verts de Yannick Jadot, Olivier Faure a sauté sur la main tendue de Raphaël Glucksmann, cofondateur de Place Publique, un mouvement né fin 2018 avec plusieurs anciens socialistes, mais revendiqué comme étant 100% de la société civile. Une annonce qui a fait grand bruit rue de Solferino. En effet, en plus de la tête de liste confiée à un extérieur du parti, la moitié des candidats seront issus du mouvement de Raphaël Glucksmann. De quoi offusquer quelques apparatchiks socialistes. Stéphane Le Foll, ancien ministre de l'Agriculture, souffrant. Hollande n'a d'ailleurs pas attendu le Conseil national pour claquer la porte. Pour lui, la décision est une aberration qui ne permettra pas le renouveau socialiste promis lors du congrès. De son côté, Olivier Faure a expliqué qu'il s'agissait d'un sacrifice nécessaire pour s'ouvrir à d'autres. L'objectif est assez clair siphonner les quelques voix de Benoît Hamon et englaner d'autres dans les rangs écologistes et insoumis. Pour autant, de nombreuses voix s'élèvent pour expliciter la mort du PS qui vient de s'effacer au profit d'une formation inconnue. D'autant que certains s'insurgent contre la radicalité de plusieurs personnalités du parti de Raphaël Glucksmann, notamment l'écologiste Claire Nouvian, fondatrice de Bloom, une association pour la défense des océans. La plus forte raison que celle-ci est visiblement assurée d'être en place éligible. Du côté de place publique, ce n'est pas non plus l'unanimité. Thomas Porcher, membre des économistes atterrés, a quitté le mouvement. Il a déclaré ne pas vouloir servir de caution au Parti socialiste. De son côté, Raphaël Glucksmann semble se réjouir de cette occasion en or. Un temps marié avec une femme politique géorgienne puis ukrainienne, l'essayiste est habitué à côtoyer les coulisses du pouvoir. Immigrationniste et promoteur du capitalisme inclusif, il est un pur produit Open Society de George Soros. Pas sûr que ces dernières annonces aient de quoi convaincre Yannick Jadot de faire un pas véreux. Pour autant, une chose est certaine la candidature de Raphaël Glucksmann aura au moins un mérite. Éloignez Léa Salam et sa compagne du petit écran pendant un petit moment. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Multiples fusillades aux Pays-Bas. Ce lundi, un individu a ouvert le feu dans un tramway à Utrecht, faisant au moins trois morts et neuf blessés, dont trois grièvement. Plusieurs hélicoptères médicaux ont été dépêchés sur place et la police a également déployé une unité antiterroriste. Les autorités ont ensuite fait part de plusieurs fusillades qui ont eu lieu à différents endroits. Une photo du suspect en fuite a été diffusée pour tenter de le retrouver. Il s'agirait de Gotmen Tanis, un Turc de 37 ans. Le motif terroriste est perçu comme une possibilité par les enquêteurs. L'église Saint-Sulpice ravagée par les flammes. Dimanche, un incendie s'est déclaré au niveau d'une des portes monumentales de l'édifice parisien et s'est propagé dans une cage d'escalier jusqu'au premier étage. Plusieurs personnes qui se trouvaient dans l'église ont été évacuées mais personne n'a été blessé. Les dégâts sont impressionnants, la porte et un vitrail ont brûlé et d'épaisses fumées noires ont envahi l'intérieur de l'église. Pour le moment, les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. L'église Saint-Sulpice est classée monument historique. Les les premiers travaux de l'édifice avaient débuté en 1646 et sa construction fut achevée en 1870, gageons que les réparations durent moins longtemps. La marche des solidarités est passée inaperçue, partie de la place de la Madeleine pour rejoindre Stalingrad, le rassemblement contre le racisme et pour l'accueil des clandestins n'a réuni que quelques milliers de manifestants pour paraître moins ridicule face aux manifestations des gilets jaunes et à la marche pour le climat. La marche des solidarités a fait appel aux gilets noirs non donnés à un groupe de clandestins. Assassiné pour un téléphone portable, dimanche à Marseille, une étudiante de 21 ans a été poignardée à mort par un individu qui tentait de lui voler son téléphone. Grièvement blessée au thorax, la jeune femme est décédée des suites de ses blessures. Une enquête a été ouverte, mais l'individu est toujours en fuite. Mercredi dernier, toujours à Marseille, un garçon de 18 ans a également été poignardé pour les mêmes raisons, mais son pronostic vital n'a pas été engagé. Theresa May joue le tout pour le tout. Le Premier ministre britannique, en sursis après les nombreux refus parlementaires de la semaine dernière, a annoncé qu'elle se donnait jusqu'à mercredi pour tenter de faire approuver par le Parlement l'accord de sortie de l'Union européenne. Selon deux de ses ministres, Theresa May pourrait même renoncer à soumettre une troisième fois au vote des députés l'accord de retrait qu'elle a négocié avec l'Union européenne si elle n'obtient pas le soutien suffisant. Un ultimatum lancé par le gouvernement à sa majorité et à ses alliés du DU le Parti unioniste nord-irlandais, alors que le dirigeant de l'opposition travailliste britannique, Jeremy Corbyn, a annoncé qu'il déposerait une motion de censure contre le gouvernement de Theresa May si le Premier ministre est de nouveau mis en échec sur l'accord de Brexit. Quatrième dimanche de mobilisation pour les Algériens. Malgré la décision d'Abdelaziz Bouteflika de ne pas briguer un cinquième mandat présidentiel, les manifestations d'Algériens se poursuivent aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. À Paris, ils étaient plusieurs milliers à se rassembler place de la République pour protester contre la volonté du pouvoir de prolonger le quinquennat du président algérien. On, a, on en a marre des, des, vieux, des, vieux, des, des vieux. Depuis 62, on est toujours avec les vieux, la même marmite. Donc, laissez les jeunes, laissez la place aux jeunes, dégagez. On a un président qui s'appelle M. Bouteflika, qui ne nous parle pas et qui ne fait pas ses campagnes électorales, et on ne peut pas l'accepter. Et on ne peut pas accepter qu'il augmente son mandat, sans, contrairement à ce que dit la Constitution. Selon l'INSEE, 760 000 immigrés algériens vivent en France. Ils sont 1,7 million si on y ajoute leurs enfants nés en France. Tous pourraient donc prétendre à une traversée légale de la Méditerranée. Saltant temps pour Boeing. Une semaine après le crash d'un Boeing 737 MAX 8 qui s'est écrasé en Éthiopie, faisant 157 morts. Les données des boîtes noires ont mis en évidence des similarités claires avec le crash en octobre d'un appareil du même type au large de l'Indonésie. Comme dans le cas de la compagnie indonésienne Lion Air, la chute du Boeing d'Ethiopian Airlines a eu lieu peu de temps après le décollage. Les deux appareils ont connu des montées et des descentes irrégulières juste après avoir décollé. Deux accidents similaires en moins de 5 mois pour le Boeing 737 Max 8 qui est désormais cloué au sol dans de nombreux pays, dont les états unis Dimanche, le PDG de Boeing, Dennis Muhlenberg, a annoncé que l'avionneur américain était sur le point de finaliser le développement d'un correctif du logiciel anti-décrochage. Une prison pour baleines en Russie, capturée dans la mer d'Okhotsk. 11 orques et 87 petits belugas sont retenus dans de minuscules bassins près de la ville portuaire de Nakotka. Des clichés pris à l'aide d'un drone ont provoqué un émoi considérable. Plus d'1,3 million de personnes ont signé une pétition réclamant leur libération et des mesures immédiates pour la protection animale. Selon plusieurs associations, ces animaux en danger doivent être vendus à des parcs aquatiques à travers toute l'Asie. Chaque animal vaut entre 1 et 10 millions de dollars. Mission réussie pour Soyuz. Partie jeudi dernier du Kazakhstan, la mission spatiale a acheminé avec succès trois nouvelles personnes à bord de la station spatiale internationale. Il s'agit du deuxième vol opéré par l'agence spatiale russe Rokosmos après l'incident de la mission Soyuz MS-10 qui n'avait pas pu atteindre la station à cause d'une défaillance dans la libération d'un des propulseurs d'appoint. Il n'y a pas que l'Algérie qui a ses dinosaures, le Maroc aussi. Près de 300 empreintes de bipèdes ont été découvertes sur la plage d'Anza près d'Agadir. Estimées à plus de 85 millions d'années, elles sont apparues à la surface grâce à l'érosion. Malgré cette richesse préhistorique, le site n'est pas encore protégé et les surfaces pourraient disparaître à cause d'éboulements de roches. Mais les autorités marocaines restent le principal danger. Certains officiels ont même planifié la construction d'un parking sur le terrain. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour, porte-parole des Gilets jaunes de Rouen, le médiatique avocat des Gilets jaunes François Boulot fait le point sur la révolte. Moi, je suis porte-parole du mouvement des Gilets jaunes et j'ai pour mission de relayer le message qui est porté par le mouvement. Mmh. Et aujourd'hui, le message qui est relayé euh, consiste à dire euh, un il faut lutter contre l'injustice fiscale et sociale, obtenir une répartition des richesses qui soit désormais équitable. Et puis deux c'est la volonté du peuple que désormais elle puisse intervenir directement dans la démocratie. Voilà les revendications qui sont portées. Et donc, je n'ai effectivement pas entendu parler de la problématique d'immigration. Après, j'ai des convictions personnelles euh, sur le sujet, mais euh, je dépasserai là mon rôle de porte. Parle. Ce soir, on retrouve également Politique Éco, Pierre Bergerot reçoit le délégué national aux études du Rassemblement national, Jean Messia, pour faire un point sur le programme économique du parti de Marine Le Pen. Et puis tout de suite, La France de Campagnol de Christian Combaz et mes libertés politiques avec François Billot-Lochner. Et à présent, c'est le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité. À demain, bonsoir. Le curé est mort, figurez-vous. On s'y attendait. Il était resté en poste avec activité réduite jusqu'à l'an passé, puis on l'avait mis dans une maison du département, une solution qui redoutait un peu à cause de la dépendance, mais qui n'aura pas duré très longtemps. On redoutait la dépression, mais elle n'était pas dans sa nature. Il est resté souriant jusqu'au bout. Il est même revenu plusieurs fois au presbytère, où personne n'est venu le remplacer. Et chaque fois, c'était une satisfaction de voir ces grandes chaussures de montagne, là, attendre à, à la porte sur la troisième marche du perron. Mais surtout, la plus grande satisfaction pour les gens sensibles au mystère, à la beauté des êtres uniques, originaux, c'était sa voix. Euh, physiquement, il n'avait rien de très remarquable, il était assez grand, les épaules un peu creuses. s'il il avait quand même une, une crinière blanche immaculée comme celle du pape Benoît XVI, qu'on remarquait tout de suite, car il disait beaucoup de prières en plein air. Et on voyait se dresser dans le vent sur les photos ce plumeau de cacatoès sur sa tête étroite. Mais sa voix, elle, était absolument exceptionnelle. C'est d'elle que je voudrais vous parler un instant. On est toujours plus attentif à la voix des orateurs de métier, en l'occurrence des curés en chair, parce qu'on a le temps d'analyser leur timbre quand on s'ennuie un peu à propos du contenu, qui est toujours pareil. Et puis, dans le cas des curés, ils chantent aussi, ce qui leur donne un registre vocal assez complet dont on se souvient avec précision. La voix de notre curé aurait mérité une étude complète, et plutôt que de m'y livrer, je voudrais vous inviter à vous souvenir de la voix de ceux que vous avez aimés. Que vous avez côtoyé, que vous avez perdu, pour vous faire observer à quel point elle est imprimée dans votre mémoire. Elle représente souvent la part euh, la plus émouvante des êtres autour de nous. L'une des choses les plus belles et les plus mystérieuses, l'une des choses les plus ignorées aussi dans notre époque de tintamarre, c'est la signature vocale de chacun, et que met très bien en lumière le talent des imitateurs. Et quand on dit c'est une voix qui s'est éteinte, on mesure très bien le rapport entre la voix et le caractère unique de la personne, surtout si elle a proféré toute sa vie des, des paroles assez sensées. Eh bien, dans le cas de notre curé, là, la voix était une sorte de mélange de timbre très profond, un peu comme un hautbois, alto, un saxophone avec des intonations interrogative constante, comme s'il posait des questions sans arrêt à l'auditoire, à la fin de ses phrases, avec aussi un recours permanent à ce qu'on pourrait appeler des accords de fond d'orchestre, c'est des accords d'acteurs en scène, quand il commençait ses phrases par des mots comme « alors je sais bien que la plupart d'entre nous, d'entre vous, vont me dire, mais comment se fait-il, etc. ». Donc pendant la messe d'enterrement, j'ai regretté qu'on n'ait pas diffusé sa simple voix qui terminait chaque semaine en. En disant bon dimanche et soyez heureux. Et j'ai essayé, euh, fait l'expérience aussi, j'ai essayé de me souvenir de toutes les voix dont j'étais entouré dans mon enfance, y compris celle du général de Gaulle, de Pompidou, de Fernand Reynaud, de Georges Brassens. Et bah, ben, ma mémoire les a toutes conservées intactes. Je me suis aperçu que c'était bien plus précis que les impressions visuelles. La mémoire des visages est changeante, tandis qu'avec la voix, la ressemblance physique et morale est immédiate. La personne sort de l'enregistrement intact des gens qu'on n'arriverait presque plus à reconnaître sur une photo comme Pierre Freinet, par exemple, nous rappelle aussitôt quelque chose de constant, de précis quand nous les entendons dire un poème ou dire bonjour. Tout ça pour dire que toutes les voix ne sont pas euh, émouvantes également, euh, évidemment, et pour terminer par un hommage à ce brave curé de Campagnol qui n'aimait pas beaucoup le Vatican, qui détestait les honneurs, qui n'aimait que marcher tout seul dans la montagne, on pourrait dire qu'il avait l'humilité des gens qui savaient très bien. Qu'ils auraient pu conquérir des foules à la moindre ambition personnelle, qu'ils auraient pu mener les hommes où ils voulaient. Et dans sa voix, on entendait précisément ça, cette assurance à la fois véhémente et caressante des gens qui auraient pu séduire beaucoup plus de gens s'ils l'avaient voulu, mais qui ne le voulaient pas. En fait, lui, il voulait le contraire, il voulait en séduire le moins possible et le mieux possible. Et au cimetière, il n'y avait pas grand monde, mais il y avait des gens venus de loin qui, lorsqu'on en a parlé au café, m'ont tous dit, il m'a aidé énormément, sans le savoir, à un moment très pénible de ma vie, et je me devais d'être là pour son enterrement. Et bien moi, je me devais d'en parler en leur nom. Plusieurs fois, j'ai insisté pour qu'ils disent le Notre-Père au micro de mon téléphone, pour garder un souvenir, mais il a toujours refusé, avec le sourire, en disant qu'il n'était pas une rockstar et qu'il ne voulait pas de fétichisme, même à propos de sa voix. À bientôt, merci, abonnez-vous. Le chef du détachement artillerie de l'armée française en Irak, le colonel François-Régis Legrier, vient de faire paraître dans les colonnes de la revue Défense Nationale, un organe quasi-officiel, un article au Vitriol sur la gestion américaine des conflits au Proche-Orient. Il souligne la compromission française dans des opérations inefficaces détruisant des infrastructures du pays sans parvenir à éradiquer l'ennemi et ayant pour effet de se mettre à dos les populations en tuant des civils en grand nombre. Cet article lui a valu l'intervention du ministre des Armées, Florence Parly, qui a demandé le retrait de l'article. Ni plus, ni moins. Jeune officier passé par l'école de guerre, Issu d'une longue lignée de militaires, le colonel François-Régis Legrier s'était fait connaître par un essai remarquable, Si tu veux la paix, prépare la guerre, qui a été recensé dans de nombreux articles de presse, de toute la presse, de gauche ou de droite, on peut le souligner. Un essai brillant, qui posait très intelligemment la question du rôle politique de l'officier et de sa responsabilité spéciale, social, pardon, et moral, au sens plein du terme. Parmi ces réflexions, on retrouve l'éternel débat d'Antigone, le sens de la liberté et le sens de l'obéissance, le rapport de l'homme juste au pouvoir et aux ordres illégitimes. Une pensée brillante que le colonel Legrillet va peut-être devoir payer un peu cher. En effet, son erreur pourrait être... D'avoir publié son article alors même que l'opération militaire dont il fait état n'était pas totalement achevée. Ce qui est certain, c'est qu'il faut se féliciter de ce que l'armée française est encore capable de produire des esprits libres, à même de porter un regard acéré sur les travers d'une action politique déboussolée qui donne des résultats souvent catastrophiques sur le terrain militaire espérons que le monde politique prenne le relais de sa courageuse prise de position je n'ai jamais été charlie je ne suis pas charlie je ne serai jamais charlie mais aujourd'hui j'ai envie de dire je suis le griller vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez à très bientôt